Bonjour, donc un petit tuto donc pour une CLK cabriolet de 2000. Donc j'ai changé la courroie, donc c'est très simple. Donc la poulie, là on a la poulie, c'est la courroie qui s'est enroulée autour de la poulie d'alternateur et ça m'a cassé le galet en rouleur. Donc il suffit, donc le cheminement pour cette CLK c'est bien celui-là. Donc ici nous allons trouver le galet tendeur qui est super dur. Donc avec une clé de 17 avec un cliquet, donc c'est super dur à tendre, à le détendre pour pouvoir enfiler la courroie. Et après il suffit de rentrer votre courroie pile poil autour des rainures de de toutes les rainures. Ici donc j'ai changé ce galet en rouleur grâce à avec du Torx, c'est tout simple, hein, c'est du 89-45 en Facom. Et juste à desserrer et puis à retirer tout l'ensemble. C'est une longue vis et après il suffit juste de la remettre. Donc voilà quoi. Donc là maintenant on va faire les essais, voir qu'il n'y a pas de soucis. Et puis bah amusez-vous bien. Au revoir.